Arnaud, tu es avec Alex, le vainqueur de la catégorie voyage. Alex, ça fait déjà félicitations. Ça fait quel effet d'être le champion de France des blocs de voyage? Bah, c'est top. Je l'attendais, disons que j'avais vraiment envie. Toute ma communauté était derrière moi. Et voilà, donc les jurés ont voté pour moi, c'est le top quoi. Bravo, et pourquoi tu as participé au Golden Blog Award? Bah, tout simplement parce que c'est vrai que comme les Golden Blog Award le disent, c'est un peu le César quoi, version des blogs. Et j'avais envie justement d'être le numéro un des blogueurs de voyage cette année, en 2013. Voilà, donc je le suis, c'est génial. Et depuis quand tu as ton blog? Depuis 2008, donc il a 5 ans, et c'est vrai qu'il s'est développé au fur et à mesure. Moi, j'étais prof de PS à la base, je l'ai monté petit à petit, donc c'est vrai que j'avais un petit peu le temps le soir, je n'avais pas les copier corriger, mais je l'ai monté petit à petit, j'ai fait pas mal de voyages à New York, au fur et à mesure, il s'est développé. Et maintenant, depuis juillet 2013, j'en vis, donc maintenant je suis blogueur professionnel. Et voilà. Professionnel, c'est-à-dire qu'on te paye pour voyager, en plus c'est voyage, voilà. C'est pas le plus désagréable de la thématique ça, hein? Non, on ne me paye pas, en fait j'ai des petits des affiliations sur le site où ça me permet d'avoir des petites commissions pour chaque, c'est génial. Pour chaque réservation. Et s'il y a des futurs blogueurs qui te regardent là, c'est quoi les bonnes qualités pour devenir un blogueur? C'est vraiment des heures, passer des heures et des heures et des heures sur le web. Travail acharné. Et petite info aussi, je vais lancer là en décembre le premier réseau social en fait à destination des voyageurs à New York qui s'appellera newyorkfrenchconnection.com. Donc voilà, il est en train d'être développé par des développeurs et là dans 3-4 semaines il sera lancé et voilà, ce sera vraiment une nouvelle expérience. Double félicitations pour ce projet-là et pour celui à venir. Merci bien. Et bravo Alex. Ciao. Merci.